Et puis Burkina Faso, mais le Mali qui est en train de jouer. Je vais choisir Burkina Faso, mais le Mali. J'ai choisi le Maroc au loin, lequel est pas où avec. On se connaît où? On a quelle frontière ensemble? Non, parlons peu, parlons vrai. On se connaît où on a quelle frontière ensemble? Vous levez, je suis comment? Moi-même, j'ai appris un truc sur la page d'une comédienne ivoirienne où on dit soutien au Congo, vous avez été fort. J'ai appris les débats sur ma page. Mais malgré ça, fait un petit direct, après, il est coupé. On soutient quoi, au fait? Ils ont apparemment leur gardien avec Corona. Mais quand ils voient qu'ils sont 10 ou ils sont 4, ils ne peuvent pas jouer. Ils annulent les matchs, c'est tellement simple. Ici, il faut faire, ils rentrent chez eux. Là, on allait plus les applaudir. Mais s'ils ont pris, ils étaient 2, 3, ils étaient 12, ils sont allés jouer là. S'ils sont allés jouer, c'est pas qu'ils avaient confiance à leur équipe. C'est pas qu'ils avaient confiance à leur équipe. Mais quand tu as confiance à ton équipe, tu vas jouer ton ballon. Mais est-ce qu'ils étaient obligés d'aller jouer? C'est une question, hein. Ils n'étaient pas obligés d'aller jouer. Ils sont allés jouer. Ils avaient confiance en eux. Ils ont très bien joué face au Cameroun. Mais le Cameroun a gagné. C'est quoi cet acharnement virtuel? C'est quoi cet acharnement virtuel sur les Camerounais? C'est quoi? Non, quand vous faites des trucs, vous ne pensez même pas au lien qui nous lie, au fait. Vous ne pensez même pas au lien qui nous lie. Je vois des blogueurs ivoiriens, quand c'est chez moi, ils vont dire que non, c'est le game. C'est pas le game. Vous n'êtes pas venu vexer un pays qui est en train d'organiser les têtes de menteurs. Si ils ont Corona, ils ont Corona. Qui n'a pas Corona d'ici dehors? Est-ce que c'est un pays qui a fait juste qu'il ne peut pas même faire leurs propres tests? Vous pensez que Samuel Eto'o, il va, comment on appelle ça? Il va, comment on appelle ça? Putain. Il va bafouer sa réputation pour foutre le bordel dans cette canne? Non, sérieux. Vous pensez que Eto'o fils, le grand footballeur, il va bafouer sa réputation pour cette canne? Pour un petit match? Maintenant, voilà, les Camerounais aussi disent que le tout, si vous êtes sauf que les Judas, qu'ils vont sauf que supporter l'Égypte. Moi, je suis habillée en égyptienne. Il reste seulement. J'ai même mis le truc blanc comme les égyptiennes. Le tout, si moi, je suis égyptienne, je soutiens le Cameroun. Vous êtes trop hypocrite à un moment donné, arrêtez quoi. Non, mais sérieux. Maintenant, vous créez des ennemis sur les réseaux sociaux. Tu as déjà vu un blogueur comorien ici dehors. Tu as déjà vu quel comorien qui a déjà soutenu les Ivoiriens. Hein? Jusqu'à vous faites les directs, vous dénigrez, vous traitez les Camerounais de voleurs, de brutaux, de faiman. C'est quoi votre problème sur les réseaux sociaux? C'est un blogueur. Partout, on prend une photo de mon frère pour que je sois obligé d'aller commenter pour demander pardon. Je suis obligé d'aller commenter. Il y a quelqu'un qui dit, oh, il te bloque, parce que c'est notre tête de mort. Il n'a pas dit que les Comoriens, ce n'est pas des Africains. Il a dit, si un pays a choisi, là, si un pays a félicité, c'est le Cameroun. Ma chérie, tu parles beaucoup, peut-être que ta bouche est dans la main de quelqu'un. On va crier, on va tourner, c'est dans les pays. Gazon pourri que vous dites, c'est là-bas on va les jouer. C'est si les gazon pourri que vous dites, on va les jouer. On dit quoi du vagin? On est assis par terre. Je souhaite la victoire aux éléphants. Parce que nous-mêmes, souvent, on se. Ça veut dire qu'on s'attire des ennemis pour rien du tout.